question, peut-on dire que vous êtes centriste ou macroniste Je suis euh, centriste et macroniste, les deux en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de la politique du gouvernement à Mayotte je fais le constat de ce qui se passe à Maïd depuis quelques temps. Vous l'avez entendu sur le reportage, notamment avec euh, l'immigration clandestine. On va y venir justement, mais je voulais justement savoir déjà où vous vous situez euh, sur euh, l'échec politique. Et ensuite, on allait aborder cette question. Je suis mitigé. Il y a des points sur lesquels je suis euh, satisfait et des points sur lesquels je ne suis pas satisfait. Je me dis qu'on peut faire mieux. Vous pensez à quel point notamment euh, sur lesquelles des questions Sur euh, on peut faire mieux l ou sur, oui, sur l'immigration clandestine, on peut faire mieux Alors, justement, euh, le projet de loi, l'immigration, c'est l'un des dossiers euh, brûlants de la rentrée pour le gouvernement. Et là-dessus, les discussions ont été repoussées faute de majorité euh, solide au Parlement. Comment, justement, vous comptez vous saisir de cette, euh, de ce, de ce, de cette loi, de ce projet de loi, pour réduire euh, la pression migratoire qu'il y a dans le département j'ai fait, j ai, j ai, euh, sur le reportage, vous avez entendu, j'ai fait euh, deux, trois projets. Et euh, je l'ai toujours dit, euh, il est dommage que euh, les élus de Mayotte, qu'on n'arrive pas à s'asseoir et à parler du même voix. On a les mêmes problèmes, on connaît les problèmes à Mayotte. Et euh, il faut, à un moment donné, qu'on arrive, les quatre parlementaires, si je suis élu, à, son, à ce qu'on, s'entende sur euh, qu'est-ce qu'on doit euh, à faire de, 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 de ce projet de loi, quelles sont les mesures prioritaire qu'on doit faire sur le projet, le, le projet de loi. Vous, vous avez Moi, des propositions nouvelles que n'avaient pas jusqu'ici les parlementaires qui, qui sont euh, au pouvoir En, en, tout, en tout cas, j'ai une méthode qui est, qui est nouvelle. La, ma méthode est nouvelle. Je le disais, les quatre parlementaires, on doit se mettre à table, on discute, et puis après, on, 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 on choisit sur quel point on sera d'accord, sur quel point on ne sera pas d'accord. Et sur les points sur lesquels on sera d'accord, on fonce à quatre. Mais pas euh, chacun hein, de ce côté euh, cherche un amendement à droite à gauche euh, pour euh, le, faire, euh, le faire entendre au, au, au Sénat. Ça ne se fera pas. Du coup, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, mes priorités sur l'immigration clandestine, je l'ai dit, j'ai dit trois priorités. Mais je, 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 je dis également que euh, la priorité des priorités, c'est vraiment euh, ces mineurs isolés. Ils sont trop nombreux à Mayotte. On ne peut pas maintenir 6 000 mineurs isolés à Mayotte. Il faut absolument que le gouvernement nous entende et puis qu'il répartisse euh, ces mineurs isolés sur l'ensemble du territoire euh, français. Et que, et que... C'est un discours qu'on a déjà entendu ici. Pourquoi vous, vous serez entendu là où les autres n'ont pas été entendus pour l'instant Parce que je l'ai dit, je demanderai à mes collègues parlementaires qu'on parle d'une même voix. Je demanderai absolument qu'on parle de même voix. Mais à chaque fois, j'entends je... aussi ce discours. On doit parler d'une même voix, mais au final, on le voit après les élections, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, effectivement, je l'ai constaté même récemment. Là, on était en réunion. Effectivement, il y a quelques élus, euh, chacun a tiré un peu de son côté. Mais bon, en tout cas, euh, c'est, euh, je, je euh, sur ce discours et surtout, euh, euh, je, je suis déjà maire et je travaille avec l'association des maires. C'est ce que je dis à chaque fois. Si on va là-bas euh, de manière euh, euh, éparpillée, on ne sera pas entendu. D'ailleurs, la preuve, on l'a fait avec, euh, euh, juste avant l'opération Bouchou, quand il y a eu une délégation. Après, euh, évidemment, les, la, la crise, euh, les manifestations qui ont été faites à Mayotte, euh, les élus, les, les élus Maoré, on est montés euh, tous à Paris. C'était l'une des rares fois, d'ailleurs, C'est l'une des rares fois, comme quoi ça marche. Donc, effectivement, euh, c'est un exemple sur lequel. Je veux, euh, veux euh, l'imposer à tous les élus euh, de Mayotte qu'on puisse systématiquement, sur les points sur lesquels on est tous d'accord, qu'on parle d'une même voix. Toujours à propos du projet de loi immigration, cette semaine au niveau national, une dizaine d'élus de la majorité et des parlementaires de gauche ont signé une tribune en faveur de la régulation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On a des métiers en tension ici à Mayotte. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée Les réalités de la métropole ne sont pas les réalités de Mayotte. Il y a effectivement des, des métiers en tension. Moi, je, je, je prône pour euh, une immigration euh, euh, qui est euh, justifiée. C'est-à-dire, on, on a un besoin sur tel domaine. Et effectivement, euh, on, on essaie de régulariser sur le domaine. Mais je ne suis pas pour euh, une ouverture générale de toutes les personnes qui sont ici et qui seront immigrées. D'ailleurs, euh, raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'ici, les renouvellements, que les cadres de ce jour, je voudrais qu'ils se soient instruits ailleurs, dans les pays d'origine, et que là, on s'assure que les personnes qui sont ici, ce sont des personnes qu'on a voulu, et non des personnes qui viennent, qui nous imposent leur présence, et puis après. On On subit, on subit voilà. Et puis après, qu'on régularise après. Alors, vous dites que votre expérience de maire, hein, depuis je le rappelle, 2014, fait que vous pouvez encore plus aider les collectivités si vous êtes élu sénateur le 24 septembre prochain. Bruno Le Maire dit souhaiter réduire les dépenses publiques dès 2024 en faisant au moins 10 milliards d'euros d'économies pour redresser justement les finances publiques. Comment, dans ce contexte, vous, Mouslim Abderrahman, arriverez à aider les collectivités moi, je, je, euh, ce matin, euh, j'ai eu un entretien euh, de plusieurs heures avec euh, le maire de Congo. On parlait de beaucoup de sujets et notamment euh, de la délibération qu'il a prise euh, aujourd'hui euh, récemment sur euh, le, le, le transfert de compétences de, 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 de l'école euh, vers euh, l'État. Il a dit qu'il n'en veut plus parce qu'il n'en peut plus. Euh, je pense que... Le gouvernement, il sait ce qui se passe à Mayotte. Il sait qu'à Mayotte, les communes ils sont euh, créées en 1977, contrairement à, à la métropole où les communes, c'est depuis, depuis 1749 que ça existe. À Mayotte, la décentralisation en France c'est depuis 1982. Ils sont autonomes. Les communes de, de métropole ils sont autonomes. Ils ont suffisamment de moyens financiers pour faire fonctionner euh, le Oui, mais le, dans un contexte le national, le, le sénateur, c'est un sénateur aussi de la République, donc dans ce contexte-là, ma question est pourtant claire, euh, comment euh, vous, vous comptez aider les collectivités lorsqu'on annonce une réduction euh, justement du budget, euh, lorsqu'on annonce euh, des économies Je suis sénateur de la République, mais je suis élu à Mayotte. Et par conséquent, je me dois. Encore, vous n'êtes pas encore sénateur, mais si vous êtes. Peut-être. Mais non, mais si je suis là-bas, c'est que je suis élu à Mayotte. D'accord. Donc, mais merci euh, de, du rappel. Euh, donc, quand je suis élu, si je suis élu euh, euh, sénateur de Mayotte, je dois défendre ce territoire parce que les, les difficultés ne sont pas les mêmes qu'à qu qu métropole. C'est ce que je disais. Bénit, euh, par exemple, c'est 7 millions d'euros de, 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 de budget de fonctionnement avec euh, près de 4 millions et demi. De, de masse salariale. Il est impossible d'avoir un programme d'investissement sérieux avec euh, euh, un budget de 7 millions. Et on ne peut pas admettre que euh, les, les, les économies qui vont se faire ailleurs, euh, euh, ils impactent déjà un budget qui n'est absolument euh, pas, euh, pas, euh, pas au niveau de, 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 de nos homologues euh, euh, métropolitains. Euh, et ce souci du budget de fonctionnement, il impacte, très dernier... fortement. Finissez il impacte très acte. fortement nos investissements parce que si on n'a pas la capacité de s'organiser euh, euh, au niveau de l'administration, les investissements forcément, ils, euh, ils ont impact.